c'est le réveil à 5 heures du matin, ça c'est... On se rappelle plus de ça. Mais c'est bien, pas de pluie, pas de circulation, voilà. On a déjà retendu un peu l'embrayage, parce que vu que tout est neuf, l'embrayage était un petit peu détendu. Donc on a déjà fait, juste avant de rentrer, on a retendu l'embrayage. Donc voilà, ça c'est fait. Ils vont nous donner les notes de la spéciale, là. Donc on n'a rien. Bon, on a 200 km avant d'y aller à la spéciale. Ouais, il y a 200 km. Hein. Bon. On va avoir eu le temps de la regarder. Hein. Surtout, je crois qu'elle fait 8 km. Bon, là, on va aller prendre un petit thé, un café, parce qu'on n'a rien mangé. Hein. 5h du matin, rien. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? 5h du matin, il n'a pas mangé. Mais où va-t-on? Là, je suis pas ravitaillé, ça marche pas. Allez, salut. Spécial, on l'appréhende toujours parce qu'il y a 2 ans, on a fait 100 mètres et la voiture est restée en panne. On a cassé l'axe de boîte de vitesse, donc on appréhende. On est déjà arrivé là parce qu'il fallait quand même un peu roder le moteur. On a fait quand même 100 km d'autoroute, c'est pas la voiture pour faire ça, mais impeccable. Elle roule bien, on a roulé tranquillement. Donc les vrais travaux commencent maintenant là. Bon, évidemment, c'est pas les notes du Tour de Corse, mais on va faire avec. Hein ? Et puis avec cette petite voiture, ça va aller beaucoup mieux qu'avec le camion rouge. Première spéciale, des fois tu trouves des voitures arrêtées. On sait ce que c'est nous est arrivé, nous. Ah, c'est bon signe, il y en a une qui a démarré. On devrait pas y passer toute l'après-midi ici. Ah. Franchement, c'est une belle spéciale, large, pas piégeuse. C'est vrai que les notes sont toujours aléatoires, mais on joue la prudence. Et franchement, là, on a pris du plaisir. On a pris du plaisir déjà qu'une Stratos, parce que c'est vrai que la GT, ce qu'on disait des fois, elle est plus large que la route. Et là, franchement, c'était un réel plaisir. Pour moi, je me suis amusé. Je ne sais pas si Fred s'est... Non, mais c'est vrai. Moi aussi. D'abord, c'est vrai que la route était belle quand même. Pas défoncée, ça sautait pas. Non, une belle mise en bouche, on va dire, voilà, pour démarrer. Alors, maintenant, il va falloir que sur le circuit... Alors là, on va moins se marrer, là. Surtout dans la ligne droite. Le descend, monter, ça devrait aller, mais la ligne droite, là, je pense qu'on va... On va se prendre quelques places. Là. En fait, mais il faudrait 2 voitures. Tu vois, une pour les spéciales et une pour les circuits, Pépère. Hein. Bah, c'est ça qu'il faudrait. Mais bon, c'est pas dans le règlement. Déjà finissons la première journée. Nous faire plaisir et faire plaisir à nos partenaires qui viennent nous voir. C'est aussi le principal. Levé 5h, c'est vrai qu'après le circuit, on serait bien venu là directement. C'est vrai qu'on a fait des beaux trucs, on a vu tous les grands crus, hein. Chauvray-Chambertin, du Saint-Georges, Moret-Saint-Denis, c'était superbe. Hein. Saint-Georges. On s'est pas arrêté en plus. Si on s'est arrêté, mais ils ont fait une bouteille d'eau. On n'a pas pu arrêter pour boire. Ah, bah, ils nous ont filé une bouteille d'eau à Nuit Saint-Georges. À Nuit Saint-Georges, on était bien la peine de faire un détour pareil. Enfin voilà, la voiture est là, c'est déjà ça, parce que le circuit, on a appréhendé. La preuve, c'est qu'on a eu quelques frayeurs. Il y a eu de la fumée au moment, au bout du 4e tour. Oh là là, j'ai levé le pied, rien de chauffé, j'ai fini. Et c'est le trop-plein de la boîte de vitesse
avec la pression qui a sauté et qui a mis de l'huile sur le pot des Japon. Ouf. Donc voilà. Tu sais, les premières journées, Dijon, on garde de très mauvais souvenirs. Donc là, on est très très content.